et de 1 et de 2. Après le succès fou de la première édition du Festival Way en Europe l'an dernier, ZNZ Concept remet le couvert cette année. Et c'est donc à la demande générale du public que Clément Zou et Calvé de Calvé ont voulu rééditer le Festival Way en Europe. Chose première, chose due. On vous avait promis ou bien au peuple ivoirien au Way de Paris la deuxième édition. Et elle se confirme aujourd'hui avec l'arrivée de nos artistes, en l'occurrence les quatre que je viens de vous citer. Et donc, en définitive, si je puis vous dire, le bilan a été positif, raison pour laquelle nous rééditons cette édition. Donc, nous attendons tous les ouais pour toute la communauté ivoirienne pour le 9 novembre. Et ça sera où? Il y a des contacts? Et c'est à Bobigny, au 320 avenue Paul Vaillant Couturier, 93 Bobigny. L'année dernière, beaucoup sont pleins, ils n'ont pas vu le spectacle, il y a eu beaucoup de débordements. Est-ce que cette année, vous avez pris des mesures pour y pallier? La première édition nous a servi de leçon et nous avons tiré le bilan. Et en fonction de cela, nous allons y remédier pour ne pas que les erreurs se répètent. Ça veut dire quoi? Cette année, les mélomanes vont vraiment voir leurs artistes danser, chanter? Déjà, au niveau de la danse, tout sera au point. L'heure de leur arrivée déjà va être décalée, ça va être plus tard que prévu, c'est-à-dire qu'ils viendront un peu plus tôt pour que le public puisse bénéficier de leur somme qu'ils paieront. Beaucoup ont regretté qu'il y a eu trop de travaillement. Est-ce que cette année les gens vont s'asseoir pour vraiment voir le spectacle? Ne vous inquiétez pas, la sécurité fera son travail pour que le peuple ou bien le public qui va se déplacer puisse vraiment s'amuser et pas de travaillement comme l'année dernière. Nous ferons le nécessaire pour ne pas que ça arrive. Toujours ZNZ Production. Comme d'hab, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc vous êtes toujours avec Calvé de Calvé. Je n'ai plus à présenter. Zera pour les études ou ZC. ZC pour les études. Toujours dans le showbiz toi? Toujours dans le showbiz, toujours dans le showbiz. Là j'ai essayé de regarder un peu dans les terroirs, mais toujours dans le showbiz. On t'a vu beaucoup aussi au Titan à l'époque, dans le showbiz, dans une boutique en général. Maintenant ça c'est vraiment, c'est du pur OSN. C'est un retour à la première aux sources. Ouais, j'ai pas quitté définitivement le Titan. J'ai mis une pause un peu pour le Titan pour reprendre un peu mes activités, un peu de retourner dans le terroir. Vu un peu tout ce qui nous arrivait en ce moment, tous les ressortissants ouais, un peu de la crise politique en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qui m'a amené un peu à retourner dans le terroir. Et beaucoup de dérapages l'année dernière, que cette année vous avez pris des mesures pour y pallier? Ouais, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, la première édition, ça nous a servi un peu de leçons tout et tout. On espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas des artistes qui seront un peu perturbés par pas mal de public. Non. Cette fois-ci, c'est un peu strict. Il n'y a pas de débordement, non. C'est un peu strict. Au niveau de la sono, au niveau du son, tout est OK? Oui, on n'a pas ce petit souci-là. Tout est bon. C'est ce qu'on vous a dit dans la première édition, nous a servi des leçons. Cette fois-ci, on n'aura pas ces ratés-là. Tout et tout. Voilà. Et bien, au moins, le jour de pluie, si vous taillez, vous vous attaquez. Hein? Monsieur Kouan, non, il est présentement 18h local. Ils sont tous là. Là, je cherche mon désir. Je cherche mon désir qui est présentement côté. Je cherche mon doigt. Voilà, moi c'est le grand Claudio Ramirez. J'habite à Paris, voilà quoi, je suis là pour le show. Et ça va chauffer. Merci.
Tu es pour tuer. Tu es pour tuer. Voilà. T'as eu le vieux père, Marc? Ah, mon producteur. Voilà. Pour cette deuxième édition, ils seront quatre à l'affiche. L'indétrônable Pain Lenou. Et qu'est-ce que vous réservez encore aux Parisiens qui vous réclament tant? Juste un rappel de l'année dernière concernant la soirée qui s'est bien déroulée. Et moi, je suis revenu pour consoler mes parents d'ici, comme je le fais au pays déjà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a du nouveau en vue? Est-ce qu'il y a de nouveaux sons? Justement, par rapport au thème que j'ai pour les consoler, c'est déjà, une chanson. Je les console, à moi, je les invite à danser pour oublier un peu tout ce qui se passe. Comment ça s'exprime? Comment tu le chantes? Mon yéré, oh, mon yéré. A lui de nyo, yéré, oh, yéré. Je vous rassemble, vous voyez, oh. A lui de nyo, yéré. Tout pas de yéré. Vous demandez pas quoi, vous ne pas quoi, vous vantez, j'ai pris de yéré. Vous vantez, j'ai pris de yéré. Asmi mi 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 se ni dai gweyo o ti mo pa pa gbe pa pa bon to je pedi e asmi mi 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 se ni dai gweyo ina o yo yo ne buri o yo yo ru da gbe po mo ne ja ne to yun so pa en yi o ina o yo yo ne buri o yo yo ru da gbe po ti ne je ne o yan pa yun so pa en yi o voilà donc voilà ce n'est qu'un avant-goût. Et le chouchou des femmes, Simon Bozon, reviennent pour la deuxième fois sur les bords de la scène, cette fois avec des répertoires sur mesure. Je suis à Paris. Alors, qu'est-ce à quoi on aura droit cette année? Oh là là, ça c'est une surprise. On appelle ça le debout électrique. Ça vibre. Comment ça chante ça? Est-ce que tu as de nouvelles chansons? Debout n'y a pas de au canyon de ah, debout. C'est pas où qu'on y a dit, ah, c'est pas où on y a dit, mais on y a dit, on y a dit. Voilà, affaire à suivre. Il faut compter aussi avec un autre dinosaure de la musique, ouais, ancien leader vocal du groupe Wasiato, Claude Romy, aide la place. Non, écoute, je suis là. Oui. D'abord, allô? Ça me fait plaisir d'être là. Allô? Ça sera une occasion de revoir tous les parents qui m'ont manqué et avec tout ce qu'on a traversé. Bon, dis Yako aussi à tous ceux qui ont perdu tout le pays. Et de nouveau de Marius? Marius va bien. Il va bien, il va très bien. Et je pense que la prochaine fois il sera du voyage. Mais je pense qu'il va très bien. Et là maintenant, après le Wasiato, Claude Romy, tu as sorti un nouvel album? Ben, je suis en studio, ben, je devais finir mais, par rapport au voyage. Je n'ai pas encore fini, mais là, je retourne pour finir et puis venir faire la dédicace. Mais quels sont tes réseaux partout parisiens? Beaucoup de surprises. Avec la nouvelle danse le Wangwe Poumwe, que ils auront l'occasion de découvrir. Je pense que ça va aller. C'est quoi le Wangwe Poumwe? Comment se danse? Oh là là, le Wangwe Poumwe se danse. C'est pas le debaou? Non, pas du tout. Si tu sais danser le debaou, c'est que tu sais danser le debaou. Un petit pas pour nous? Oh non, attends. On dit pas tout, hein. Enfin, fallait-il le faire autrement? Qui de mieux peut dénicher l'artiste ouais le plus doué de sa génération? ZNZ Concept vous mettront plein dans les yeux. Et pour cela, c'est la nouvelle coqueluche Mon Désir qui vient tout droit de Guiglot, qui complète la liste riche en mélodie et en rythme de cette deuxième édition du Festival Wa en Europe. Amour maternel. Hein. Oui, tu peux nous fredonner un peu? Doa tous ces graillots. Bon, bien, bien, bon, non, c'est tout du bon maillot. La chute, il est frais. Ok, vraiment, tu veux tout le temps voir pour ça. Non, on va pas tout le temps. Dédié à l'association des ressortissants de Grand Pays en Europe, ACP. J'ai donné au Bibao pour toi. Hé, 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 hé
gagner qui va tuer. C'est mon frère qui est à l'association ACP. Les grands-pères. Dieu pour tuer. On appelle ça tuer pour tuer, ça le débat où? Ah, c'est pas du bas. Ah, il est pas besoin, c'est le débat de Bengis. Je suis avec Monanga Salvé. Le Monanga Choco. Le reste de public, la beauté. Amen. Nicole de Kéo Zanya. Assez. Guido Severin. On est ensemble. J'ai retrouvé vraiment la famille, j'ai l'impression que nous sommes à Djoko, hein, parce que je suis en joie, je suis en joie. Je considère même que depuis que même nous sommes au camp, à Djoko, c'est seulement dit, en Bengue, j'ai retrouvé, on peut faire caser. Vraiment, je suis en joie, I'm sitting
le 22 décembre. Et c'est Salvé qui est le manager. On est au pays. Arrivé de Calvé, on a pratiquement tous les artistes sont présents. Ouais. On va rendre visite à Tidiane Noula et la tante Célébo au Melo Togo, où la maison aujourd'hui, que je trouve que c'est la maison un peu des Wek, où tous les Wek s'y retrouvent. Nous, dans quelques instants, on sera au Melo Togo pour présenter les artistes, les présents. C'est comme ils sont au consulat en fait. C'est le consulat, les Wek, on va valider les passeports. Là, ce coin là. Oui, je connais très bien ce coin. Ouais, c'est quoi? Alors, on m'a reçu pour la première fois ici. On continue de me recevoir ici. Voilà, c'est mon QG. Voilà. Ça, c'est mon carré. Voilà le coron. Avec mon papa. Romy, c'est mon papa. Donc, tous les artistes sont venus avec le manager international. Souplement. Déjà nous sommes dans les bonnes mains. Et je pense que ça va cogner mal. On est là. On met ensemble. Voilà. Ce coin, c'est le coin des artistes. Les artistes. Yeah.
L'événement se passe cette année au Loisis de Noisy, 320 avenue Paul Vaillant Couturier, c'est du côté de Bobigny, et une seule date à retenir, ce vendredi 9 novembre 2012, de 20h à l'aube, un événement, Evet News TV.